我那个那个我老们找过一个，这感觉我紧张的，所以那个就这是个位置，那比那个哪里？感觉我就不过，那个我不过忙的时候啊，都连起我那边说这么吧，我不接，你看那啥呢？这么吧，我不能接嘛，属于哪里？哎，你那里哪里？你就忙问了。Escamouche restigouche, la police sort ses matraques. Qu'est-ce que dit le chef Micmac? Go back! Go back! Escamouche restigouche, la grosse presse sort ses kodak. On déterre les tomahawks. Go back! Go back! J'ai la conviction que tant aussi longtemps qu'on n'en arrivera pas à des ententes écrites avec la population autochtone, ententes qui devront naturellement être respectées, il y aura toujours un conflit possible entre, d'une part, une partie de la population blanche puis les Autochtones. Dès le premier moment où les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont commencé à chasser les Indiens de leur territoire, d'abord par la force des armes et ensuite par des lois injustes. Bientôt, les Indiens furent confinés dans des réserves et leurs territoires de chasse et de pêche furent sévèrement limités par la loi. C'est seulement récemment que certains efforts ont été faits pour corriger quelques-unes de ces injustices. Mais l'action la plus grave et la plus violente commise contre les Indiens du Canada depuis 50 ans a eu lieu à Restigouche, au Québec, en juin 1981. À la base du problème, il y avait la question des droits de pêche au saumon des Indiens Mi'kmaq. Le saumon avait toujours été une source de nourriture et de revenus essentiels pour les Mi'kmaq. La pêche fait partie de leur vie depuis des milliers d'années. Autrefois, il harponnait le saumon. Et il y avait un flambeau. Dans notre langue, on dit Sakshi Wadja, ce qui veut dire une lumière pour attirer l'animal sauvage. Un flambeau à l'avant du canot. C'est comme ça que les anciens pêchaient. Quand les Blancs sont venus avec des filets et qu'ils ont commencé à pêcher le saumon, les Indiens ont adopté leur méthode. Restigouche est célèbre à cause de ses saumons. Mais nous les partageons avec nos amis, avec nos frères et nos sœurs à travers le pays. Je veux dire, en tant qu'Indien, c'est la tradition. Nous partageons tout ce que nous avons. You have to understand how the salmon run. Il faut comprendre le parcours du saumon. Il y a quatre montaisons. La première montaison du saumon rose, c'est celle du saumon qui monte la rivière pour aller frayer. Les Mi'kmaq commencent à pêcher vers le 1er juin, et quand vient la dernière montaison de l'année, elle peut durer une semaine, parfois deux semaines au plus. On peut donc dire que c'est une saison d'environ six semaines. Clouds arising from the sea. Golden land of sand and snow. Eagles rising in their flight. Wafted spirit in the dawn, water tumbling from the cloud, washed down the thunder path, and rivers glistening in the sun, as the cycle has begun. Thank you.
Les gens d'ici ont 10, 11, 12 enfants par famille. Alors, si quelqu'un vient frapper à leur porte et leur demande d'acheter un saumon, eh bien, ils ne vont pas refuser. Ils voient bien que cette personne veut en manger. Comme pour trouver du travail dans les alentours, eh bien, c'est presque impossible. Premièrement, notre deuxième langue, c'est l'anglais. Il y a peut-être un nombre restreint de gens qui comprennent ou parlent français. Et lorsque l'on va faire une demande d'emploi, même à Campbellton, pour commencer, on nous demande « Êtes-vous bilingue ?» On dit « Oui, je parle le Micmac et l'anglais. » Eh bien, on nous demande « Parlez-vous le français ?» Et si on dit non, alors je regrette, on a besoin de quelqu'un qui est bilingue. Micmac, c'est un mot anglais. Nous sommes les Mi'kmaq du Québec. Nous devons suivre les saisons. Durant l'hiver, nous allons dans le bois. En été, nous revenons vers la rivière à saumon. L'hiver revenu, nous rentrons sur nos terres de chasse, dans les bois, car c'est beaucoup plus chaud qu'à découvert. Quand les missionnaires sont venus, ils ont pensé que nous étions des nomades, alors que nous n'en étions pas. Nous avons toujours eu un village permanent ici et un autre de l'autre côté de la rivière, juste en face. Ce sont nos territoires depuis toujours. Je suis née en 1885 et c'est moi la plus vieille femme de la mission. J'avais une écurie là-bas. Nous achetons tout ce dont nous avons besoin. Je ne dois pas un sou nulle part. Je paie tout. Je n'aime pas acheter à crédit. Ils pêchaient bien avant que l'île blanche vienne ici. Alors l'homme blanc a eu l'idée de faire la même chose. Là, il a trouvé une façon de faire de l'argent en prenant beaucoup de saumon, parce qu'il y avait beaucoup de saumon dans cette rivière. C'est comme ça qu'ils ont communiqué avec les gens de l'autre côté de l'océan pour leur dire qu'il y avait ce genre de poisson ici. Et après, ils se sont dit, on va ramener des bateaux remplis de poissons dans notre pays. Et c'est comme ça que cela a commencé, le marchandage avec les Indiens. On leur disait, vous ne devriez plus pêcher. Nous, les Blancs, on prendra soin de vous. On vous donnera tout et vous nous donnerez le saumon. Cessez votre pêche. Mais malgré tout, on a continué à pêcher. Le 9 juin 1981, le ministre Lucien Lessard envoya un téléx au chef Alphonse Métallique, lui demandant de s'assurer que les membres de la bande enlèvent tous les filets de l'estuaire d'ici 36 heures pour le 10 juin à minuit. À défaut de se conformer à l'ordre, il en subirait les conséquences. Il faut comprendre une chose, c'est que le saumon, lorsqu'il arrive à l'embouchure d'une rivière, se dirige directement vers le canal, c'est-à-dire qu'il se dessale pendant 2-3 jours et tourne dans le canal de la rivière. Et si vous mettez des filets, ça c'est ce que je pourrais appeler là, comme image, un genre de grande route du saumon, l'autoroute du saumon. Si vous bloquez l'autoroute du saumon, eh bien, vous aurez plus, la ressource ne pourra plus se perpétuer parce que le saumon ne pourra plus monter à l'endroit où il doit se rendre pour se reproduire, c'est-à-dire à la source de la rivière. Le gouvernement du Québec voulait restreindre la pêche de Micmac à 3 périodes de 24 heures consécutives par semaine, c'est-à-dire 72 heures au total. Mais les Micmac insistaient pour pouvoir pêcher pendant 6 nuits de 12 heures par semaine, comme ils l'avaient toujours fait. Cela donnait le même total de 72 heures. Pendant ce temps, au Nouveau-Brunswick, juste de l'autre côté de la rivière, le gouvernement fédéral enlevait toute restriction sur la pêche commerciale du saumon. Les prises des pêcheurs commerciaux du Nouveau-Brunswick s'élevèrent cette année-là à 109 tonnes. Les pêcheries des autres provinces atlantiques, ainsi que les flottes internationales du Groenland et de Terre-Neuve, qui interceptaient les bancs de saumon de l'Atlantique revenant frayer dans les rivières canadiennes, atteignirent des prises totalisant 3 285 tonnes. Par ailleurs, les pêcheurs sportifs de Terre-Neuve et du Québec ont pris, eux, 867 tonnes supplémentaires. La même année, tous les Indiens de l'Est du Canada ont pris 22 tonnes de saumon, dont 6 tonnes seulement ont été pêchées par les Micmacs de Restigouche.
Ce matin, à 11h20, une troupe d'environ 90 gardes-pêche du Québec et plus de 300 policiers provinciaux effectuèrent une descente sur la réserve indienne de Restigouche, à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ils découvrirent 6 ou 7 filets à saumon qui n'avaient pas été enlevés de la rivière. J'étais au bureau, je venais prendre mon chèque et en sortant, une des secrétaires nous répétait que nous n'avions que quelques minutes et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne savais pas qu'il y aurait une descente de police ce jour-là, quand tout d'un coup, elle crie « Ils sont là !» Nous étions prises au piège. Les seuls endroits libres étaient les champs. Nous sommes passés par les champs. Je me suis rendue au conseil de bande pour voir ce qui se passait. C'était le chaos total. En regardant par la fenêtre, j'ai vu les policiers qui urinaient devant nos femmes et nos enfants. Je me sentais sans recours. Je ne voudrais pas revivre cette impression. Autant être derrière les barreaux. Je ne voulais pas trop circuler parce qu'ils menaçaient de nous frapper avec leurs bâtons. Ils avaient des fusils et bien d'autres choses encore. Le téléphone ne fonctionnait plus, c'est ce que disait tout le monde ici. Dès que nous avons entendu les hélicoptères, le téléphone a été coupé. Je venais juste de rentrer chez moi et la police avançait sur la route tout près d'ici. Ma sœur me dit, pourquoi ne sors-tu pas l'appareil photographique pour prendre des photos? Naturellement, j'ai pris l'appareil et j'ai fait des photos. Je n'aurais jamais pensé qu'ils seraient venus jusqu'ici. Les bateaux avançaient, c'était incroyable. Alors j'ai pris des photos. Il y avait tellement de policiers que je ne pouvais pas le croire. Je n'arrivais pas à les avoir tous sur la photo. La police sort ses matraques. Qu'est-ce que dit le chef Micmac? Go back! Go back. Escamouche à l'estigouche, la grosse presse sort ses Kodak. On déterre les tomahawks. Go back. Go back! Pour nous empêcher de pêcher, faudrait nous mettre en prison. Ce serait pas bon pour l'opinion. Vous venez nous voler nos filets. Elle voulait m'empêcher de quitter le bureau avec ma voiture. Alors j'en ai évité un, mais un autre a levé les mains, comme ça, pour m'interdire le passage. J'étais décidé, je suis devenu furieux. Alors il s'est écarté. Au retour, j'ai fait la même chose. Mon chef me faisait signe d'accoster. Je ne voulais pas débarquer. J'ai dit à mon frère, on va faire le tour afin de récupérer les filets. Et après, j'ai décidé. Je les voyais. L'un d'entre eux empoignait mon fils. Il le secouait. J'ai dit à mon frère, « Amène-moi à terre. » J'ai sauté sur le quai. Et je voyais encore le chef qui me faisait signe. J'ai dit à mon fils, « Ne te bagarre pas. Laisse tomber. Fais ce qu'ils te disent. » J'ai dû traverser le barrage de policiers pour aller le voir. Et j'ai dit au gars, « Restez tranquille. » Je voulais dire, prenez vos autos et rentrez chez vous. J'ai dit au commandant, c'est moi qui représente les pêcheurs ici. Il m'a répondu, tu ne représentes personne. Aujourd'hui, nous prenons le pouvoir et c'est nous qui sommes les maîtres. Vous dites qu'à un moment donné, que c'était pas un pique-nique, les policiers n'en allaient pas un pique-nique, que je vous dis que la, c'est pas nécessairement, à un moment donné, la vertu n'est pas nécessairement juste d'un côté non plus. Chez les Blancs, il y en a des affrontements, puis il y a des gens qui prennent des... Qui en font des choses, à un moment donné, qui ne sont pas recommandables. Il ne faut pas penser non plus que parce que c'est des Autochtones, que tout est pur. Un garde-chasse se trouvait comme d'ici au train. Il a commencé à parler français. Mais ce n'était pas un garde-chasse, c'était un policier provincial. Je ne savais pas. On ne comprenait pas ce qu'il disait. Alors, on se tenait à l'écart. Mais il dit, « Ôtez-vous de mon chemin. Où pouvait-on aller? » On ne pouvait quand même pas sauter de la rivière. Alors on est resté là. De toute façon, ils avaient assez de place pour passer. Mais dès qu'ils sont arrivés sur nous, ils ont commencé à nous battre. Nous avons bien vu ce qu'ils faisaient. Ils ont avancé, ils ont arrêté Donald Germain, ils lui ont mis les menottes, ils l'ont battu, puis ils l'ont traîné depuis le quai. Ils l'ont agenouillé, puis ils lui ont mis la tête à terre. Il ne pouvait plus bouger. Et s'ils essayaient, ils le frappaient avec leurs bâtons, et ils étaient longs. J'étais presque chancelant.
Alors, un des gars m'a dit de me mettre à genoux. Je n'allais pas me mettre à genoux pour personne. Alors, j'ai encore eu un autre coup sur la tête. Les gardes-chasse ont pris les filets qui étaient dans la rivière. Et la police, de son côté, menaçait les gens dans le but d'obtenir des informations. Les garages et les arrière-cours ont été fouillés et les filets saisis. Plusieurs filets furent déchirés au couteau, puis abandonnés. Ces gardes-chasse, patrouillant partout sur la rivière, ils ne respectaient rien. Ils méprisaient tout. Ils profitaient de tout. Qu'est-il arrivé à votre filet? Oh, complètement détruit. Deux bateaux sont passés à travers. Et vous savez, le filet de mon ami a été confisqué. Ils l'ont pris dans son bateau. J'ai couru droit à la rivière et je suis resté dans l'eau jusqu'à ce qu'un des hélicoptères vienne vers moi. Et alors je me suis dit, j'abandonne immédiatement. Un policier m'a grippé aux cheveux et m'a traîné en haut de la côte, puis ils m'ont jeté à terre et m'ont piétiné. Ils m'ont mis les menottes et m'ont relevé en me prenant par les cheveux. Une fois arrivé à la fourgonnette, ils se sont arrêtés. Et un des gars qui était de l'autre côté m'a attrapé de nouveau par les cheveux et m'a frappé au visage. Ils ont battu Adrien Métallique, ils l'ont frappé sur la tête, juste à l'arrière du motel. Ils nous ont enlevé nos chaussures pour ne pas qu'on saute. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les Indiens peuvent courir sans chaussures. Alors, ils ont aligné leurs hommes pour l'assaut. Donc, j'ai essayé d'organiser une riposte pour faire la même chose qu'eux. S'ils nous attaquaient, alors on serait prêts. Mais encore, on s'est fait chasser par eux, par la police provinciale. Alors, j'ai baissé mes culottes et je leur ai dit, « Baisse-moi le derrière !» Mais j'avais un maillot de bain. Et c'est pour cela que j'ai rebondi en prison. Pendant deux jours, pas de scotch. Escamouche, reste gauche, la police force et matraque. Qu'est-ce que dit le chef Micmac Gobain? Escamouche, reste gauche, vous faites mieux checker vos claques avant de traverser la traque. Du côté du Nouveau-Brunswick, le pont sur la rivière était bloqué par la gendarmerie royale. Donc, la plupart des enfants qui fréquentaient l'école anglaise de Campbellton ne pouvaient plus rentrer chez eux à Restigouche. Les instituteurs nous ont dit qu'il y avait une descente de police et ils voulaient qu'on reste à l'école. Mais nous ne voulions pas rester et nous sommes partis. Le policier a dit, « Arrête, ne traverse pas, tu pourrais te faire mal. » Mais on n'a pas écouté. On s'est faufilé. On a couru sur la passerelle et on a grimpé sur le pont. J'étais assis sur la passerelle et un garde de la gendarmerie royale du Canada est venu vers moi. Il voulait que je monte avec lui et j'ai refusé. J'ai couru, mais il a voulu me frapper avec sa matraque. Je ne savais pas où était Jimmy. Il y avait moi et mes amis quand nous avons traversé. Nous avons vu beaucoup de voitures et des policiers alignés. Puis un homme avec un fusil. Un grand fusil avec un gros baril et une bombe lacrymogène. J'ai pensé que c'était une bombe. Alors, nous avons traversé le pont jusqu'à ce que nous ayons vu la police provinciale. Les policiers provinciaux étaient en ligne à travers du chemin. J'ai couru vers eux. Et je les ai vus qui pourchassaient Philippe. Alors j'ai compris qu'ils n'étaient pas de notre côté. Je ne me souviens pas qui est venu nous dire que Jimmy était, vous savez, caché sous le pont. Quand mon mari a tout su à propos de notre fils, alors il est parti, il a foncé. Il est allé sous le pont du côté du Québec, et c'est là qu'il a trouvé mon fils. Nous en étions à ce point-là, on s'en foutait. Mon mari l'a ramené avec lui, et il est resté avec nous pour le reste de la journée. Mais il avait peur, il pleurait. Il voulait dire « Papa, aide-moi ». C'était horrible. Que peut-on dire ou faire à un enfant pour qu'il se sente mieux? Il était content. Il était heureux d'être avec nous. Et quand le bateau s'est éloigné de la rive de 4 ou 5 pieds, qu'un policier m'a dit « Sors du bateau », je ne pouvais sortir tout de suite à cause de ma jambe artificielle. Alors deux d'entre eux sont venus vers moi, m'ont arraché du bateau.
Ils m'ont passé des menottes. 12 personnes ont été arrêtées, dont 2 mineurs. Les jeunes ont été envoyés dans un centre de détention pour jeunes, à quelques 100 000 de là, pendant que les adultes, eux, étaient incarcérés à la prison provinciale de New Carlisle. À minuit ce soir-là, j'ai dit à mon ami d'appeler un gardien parce que je ne pouvais pas dormir. Et un gardien est venu et a appelé un médecin. Celui-ci est venu me voir, m'a donné les pilules qui m'ont assommé jusqu'au matin. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je ne pouvais plus bouger. J'ai pensé que j'étais paralysé. Le médecin est revenu, m'a donné encore des pilules et m'a envoyé à l'hôpital Maria. Alors, ils ont pris nos empreintes digitales, nous ont enlevé les menottes et nous sommes montés. Environ une heure plus tard, j'étais encore appelé en bas pour des empreintes digitales. Vous étiez seul? Oui, juste moi. Je suis descendu et on a repris mes empreintes digitales. Je pense qu'on l'a soupé et après, on m'a encore appelé pour des empreintes digitales. Et après, je suis encore remonté. Et il y avait 3 étages. Puis, j'ai pu prendre une douche et ensuite passer la nuit en cellule. Mais le lendemain matin, après le déjeuner, j'ai encore été appelé pour des empreintes digitales. C'était, je pense, la 4e fois qu'on me faisait descendre pour des empreintes digitales. La réserve était littéralement assiégée par les troupes de M. René Lévesque. Et la seule protection que les Indiens avaient, c'était eux-mêmes. Le président de la Fraternité des Nations Indiennes, Dale Riley, a donné son appui total à Restigouche. Ces terres sont sous le contrôle des Indiens et elles vont rester ainsi. Très rapidement, tous les Indiens du pays apportèrent leur appui aux gens de Restigouche. À Montréal, un grand groupe de Mohawks de Kahnawake, à l'heure de pointe, a bloqué le pont Mercier qui passe au-dessus de la réserve. De plus, la Fraternité des Nations indiennes et toute la Conférence des chefs ont décidé de déplacer la réunion en cours de Victoria en Colombie-Britannique à Restigouche. Leur porte-parole, Peter Dion, déclara: cette décision fait suite aux accusations portées par les chefs indiens pour brutalité policière et violation de territoire. Le ministre des Affaires indiennes, John Monroe, a été sommé par les chefs de venir à Restigouche pour expliquer sa position face aux droits de pêche des Indiens, tels que définis par le Conseil de bande de Restigouche. Les règlements de la bande donnent aux Mi'kmaq la compétence en matière de pêche au saumon. Ces règlements relèvent de la loi fédérale sur les Indiens et ont suprématie sur tous les règlements provinciaux concernant la pêche, a déclaré M. Monroe. Que pensez-vous du fait que le gouvernement fédéral pourrait reprendre le contrôle des droits de chasse et de pêche au Québec? C'est comme j'ai dit auparavant, M. Monroe aurait dû rester chez lui et se la fermer. Sur la réserve, la tension montait. Les barricades étaient dressées. Toutes les armes avaient été déposées à la maison du conseil de bande. La Fraternité des Nations indiennes a fourni un personnel d'appui sous la direction d'Al Chris-John. Ses membres aidèrent à garder les entrées du village et à écouter les conversations radiophoniques sur les fréquences de la police. S'ils remettent à nouveau les pieds dans la réserve avec ce genre d'escouade, nous ne serons pas responsables si quelqu'un est tué. Ils n'ont aucune juridiction pour entrer ici. Neuf jours après la première descente de police, à 5 heures du matin, la deuxième descente a eu lieu. Pour cette deuxième fois, nous étions prêts, et ils devaient savoir que nous étions prêts à tout, et que nous avions les barricades. Ils ont roulé la première fois, mais la deuxième, ils n'ont pas pu. La seconde descente policière a dû venir par Campbellton, mais ils n'ont jamais pu entrer dans la réserve. Ce fut ma mère qui entra dans ma chambre, me réveilla et me dit qu'il y avait une nouvelle descente de police. Et ce fut le branle-bas dans la maison. Les gens téléphonaient pour savoir si on allait vraiment se marier ce jour-là. Et il y avait beaucoup d'allées et venues. Tout le monde s'inquiétait.
Finalement, nous avons retardé le mariage d'une heure. J'étais content parce que j'avais déchiré l'arrière de mon tuxedo. Il aurait pu y avoir effusion de sang si on n'avait pas retenu nos gens. Et après, nous avons décidé de nous organiser et de nous défendre. Ensuite, nous avions l'appui de tous ces Indiens venus de partout au pays. De nombreux Indiens de toute l'Amérique du Nord étaient venus ici pour aider les Mi'kmaq à défendre leurs droits. Certains venaient d'aussi loin que l'Alaska. Nous dormions dans l'auto. On était réveillés par des gens qui criaient « Une autre descente de police, une autre descente !» La police disait au mégaphone « Si vous ne quittez pas le quai, nous allons lancer des grenades lacrymogènes. » On avait discuté avec l'Association des femmes indiennes d'un moyen pour rassembler les femmes et les enfants. La meilleure chose qu'on a trouvée, ça a été les cloches de l'église. Ce qu'on voulait faire, c'était de les rassembler tous à un endroit central, dans le sous-sol de l'église. C'est pour ça que les cloches n'ont pas sonné à notre mariage. Normalement, les cloches sonnent à la fin de la cérémonie. On peut dire qu'elles sonnent pendant 20 minutes, je crois, selon l'argent qu'on a donné au prêtre. Suivant qu'on veut qu'elles sonnent 10 minutes ou 20 minutes ou autrement. Pourtant, j'aurais été prêt à payer une fortune pour qu'elles sonnent. Alors, on est allés tous vers le quai pour essayer de reprendre nos filets. Mais on n'a pas réussi. Ils nous lançaient des grenades lacrymogènes et ils tiraient sur nous avec des balles de caoutchouc. Oh oui, c'est bien sur nous qu'ils tiraient. Mais ils n'ont pas pu nous faire bouger. J'ai reçu une balle dans le pied. Je n'ai pas pu travailler pendant 2 semaines parce que ça me faisait très mal. Je n'ai pas pu porter de souliers pendant 1 semaine. Nous avons eu une réunion cet après-midi avec le conseil municipal et nous nous sommes entendus avec le maire de Campbellton pour enlever les barricades à 4 heures. Il restait des barricades après notre mariage, mais il y avait assez de place pour passer et se rendre à Campbellton où on donnait la réception. Ce fut une journée inoubliable. Je ne conseillerais jamais à personne de se marier durant la saison de pêche au saumon. Si j'avais été rendu à un cul-de-sac, comme c'était le cas le 10 juin 1982, je devais, comme ministre responsable, envisager des mesures. Est-ce que ça serait les mêmes mesures? Je m'interrogerais. Est-ce que ça serait de la même façon? Je m'interrogerais. Écoutez, il y a quand même des... Vous le disiez, puis je le comprends. Vous m'avez fait la comparaison avec la crise d'octobre ce midi. C'est vrai qu'il a pu rester des marques, mais je suis allé quand même au dernier recours. J'ai tenté l'impossible. Et j'ai quand même constaté l'an dernier, lorsque je suis allé négocier, rencontrer, discuter les Indiens et signer le protocole d'entente, ces gens-là étaient quand même, en tout cas du protocole d'entente, étaient quand même satisfaits. Et je ne sais pas, je me pose la question, Mme Alanis, est-ce que j'aurais pu, l'an dernier, signer et faire accepter le protocole d'entente s'il n'y avait pas eu 81? Je ne le sais pas. Je me pose la question. Quand la décision a été prise à Québec, M. René Lévesque, est-ce qu'il faisait partie de cette décision-là? Vous savez, Mme Alanis, qu'une décision aussi importante comme celle-là, et où j'envisageais des réactions, parce que je connaissais un peu l'histoire, les affrontements qui avaient eu lieu en 1972-73, où j'appréhendais des réactions très difficiles en ce qui me concerne. Est très dû. J'avais consulté M. Lévesque, j'avais consulté le Conseil des ministres, et chaque décision que j'ai prise à ce sujet-là s'est faite en consultation avec le premier ministre.
Je pense que c'est une expérience très frustrante que d'essayer de faire comprendre la pensée et les points de vue des Indiens. Car eux, les Canadiens français, pensent qu'ils étaient les premiers habitants du pays et qu'ils ont toutes sortes de droits sur les mêmes territoires que la province du Québec. Quand vous êtes venu à l'Estigouche, vous avez dit au conseil de banque, ça, je trouve ça incroyable. C'est cette fois-là que je suis assez enragée après vous, là, c'est effrayant. Le chef a dit, vous autres, les Canadiens français, vous demandez une souveraineté dans ce pays du Québec. Vous dites, c'est notre pays, on veut être indépendant, on veut être autonome dans notre pays, bon, etc. Alors, il a dit, on se surprend que vous autres, vous ne comprenez pas nous autres, les Indiens, notre souveraineté sur nos terres. Vous avez dit, vous ne pouvez pas demander une souveraineté, parce que pour avoir une souveraineté, il faut avoir sa culture, sa langue et sa terre. Est-ce que, à l'intérieur, actuellement, selon... On va reconnaître, par exemple, le gouvernement du Québec va reconnaître une collectivité à Maria qui est entièrement souveraine. Jusqu'où ça va, cette souveraineté-là? C'est là qu'il s'agit de se définir. Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, contrôler l'ensemble de la ressource? Certains chefs autochtones créent des illusions au peuple autochtone. La Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, etc., ça nous appartient. Mais est-ce que vous voulez dire que... Est-ce que à ce moment-là, Montréal aussi, Montréal vous appartient? Tout le Canada nous appartient. Est-ce que vous voulez dire? Nous autres, est-ce qu'on vous a dit, nous autres, chacun dans votre camp? On n'a jamais dit ça. On a toujours partagé. Tout, vous avez pris. Comment, quand est-ce que vous allez venir chez nos peuples? Le peu de gens qui restent ici, au lieu d'être fiers, vous parlez de l'histoire. Ah, notre histoire, le Québec. Il n'y a pas d'histoire au Québec qui commence avec le Canadien français. Monsieur le ministre pour les touristes, a dit le chef métallique. Faut pas nous prendre pour des moustiques. Sur nos rivières comme sur nos fleurs, ça, ça donne qu'on est chez nous, parce qu'on était là avant vous. Escamouche à l'esprit gauche, quand homme blanc passe à l'attaque, on répond du tac au tac, wow back. Alors, il est certain que je devrais prendre les mesures pour maintenir l'espèce saumon dans la rivière Restigouche, comme ailleurs, comme je l'ai fait pour Apabos, par exemple, pour les Blancs la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui arrivera dans les prochains jours, je ne sais pas. Maintenant, je souhaiterais... Non, ils refusent la juridiction du Québec. Ils veulent négocier avec le fédéral. Ils veulent négocier avec le fédéral. Ça a pris 2 heures. Vous a-t-il dit que les lois du Québec doivent être respectées? C'est ce qu'il a dit, moi j'ai répondu. Et que faites-vous de nos lois territoriales Micmac? Le chef en haut, lui, là, il nous a dit, là, il paraît que ça a commencé avec Adam et Ève. Puis à partir de ces deux-là, là, ben ils nous ont dit, croissez et multipliez-vous. Croissez et multipliez-vous. Du truc de la pomme, non, mais un instant, croissez et multipliez-vous, ça veut dire qu'au Québec, à un moment donné, de 65 000 habitants qu'on était les Blancs, on est devenu, à un moment donné, 6 millions actuellement. On ne peut pas empêcher ça. C'est là, ça. Voilà un gouvernement qui pleure pour sa souveraineté. Il se plaint de la ségrégation. Il se dit bafoué par le reste du Canada. Et ce gouvernement, ce même gouvernement, est en train de faire la même chose. Ce qu'il dit à propos du Canada anglais, c'est ce qu'il nous fait. Et pire encore, ils utilisent des armes contre nous. Nous sommes allés à la cour. Apparemment, nos avocats avaient fait une entente avec le procureur pour que si nous plaidions coupables, le pire qui nous arriverait serait une sentence avec sursis et 25 $ d'amende. Deux d'entre nous ont dit, nous refusons de plaider coupable. Nous n'avons rien fait de mal. Je sais qu'une amende de 25 $, ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour le principe. Je ne voulais pas plaider coupable, donc nous sommes allés en cour. La cause a été entendue au palais de justice de New Carlisle, au Québec. Le juge était Yvon Mercier. Le procureur de la Couronne, Claude Jourdain, et l'avocat de la Défense, Néré Cormier. Il y a deux policiers qui ont témoigné contre moi. Ils ne m'avaient même pas connu sur les photos. Je n'étais pas autorisé à entrer en cour, mais quand je fus autorisé, ils n'allaient pas se servir de moi comme témoin. Ils ont déposé mes photos et le juge les a rejetées. Il a accusé les Indiens de m'avoir engagé comme photographe professionnel pour truquer les photos.
Et nous étions témoins, Faye et moi. Nous avons comparu en cour et raconté notre histoire. Mais le juge ne nous a jamais cru. Il a dit en français que nous étions tous des menteurs et que nous avions inventé tout cela. Il y avait des preuves. C'était les photos qui avaient été prises pendant la descente policière. Il a dit que nous les avions truquées. C'est ce qu'il a dit au tribunal. Quand j'ai vu les photos, je m'attendais à ce qu'on me demande de sortir. Mais j'ai entendu dire après le procès qu'on m'avait accusé d'avoir été engagé pour les truquer. J'étais pas content d'entendre ça, parce qu'il n'y a aucun moyen de truquer des photos semblables. C'est impossible. Je ne pouvais tout de même pas engager des policiers pour qu'ils posent pour moi. Est-ce que les gens ont résisté aux arrestations? Non, pas du tout, pas d'après ce que j'ai vu. Il m'a rendue tellement nerveuse quand je suis allée témoigner que j'avais de la difficulté à dire mon nom. Il a hurlé. Et là, j'ai encore eu plus peur. Mais je ne me suis pas trompée. J'ai raconté exactement ce que j'avais vu, mais il ne nous a pas cru. Extrait de la transcription des débats judiciaires. Le juge. J'ai à décider et à faire un choix entre deux versions des faits. La version donnée par les deux agents policiers et celle donnée par l'accusé lui-même et par ses témoins, qui sont deux femmes. Je dois examiner cette preuve et décider si je crois votre version et celle de vos témoins ou bien celle donnée par les deux agents de police. Mais le procureur de la Couronne, dans ses remarques à la cour, m'a vraiment surpris parce que j'allais faire la déclaration que voici. Comment se fait-il qu'un jour comme celui-ci, vous aviez votre propre photographe pour prendre des photos des événements? Je ne peux pas supporter cela. Si vous n'aviez pas l'intention de faire quelque chose, je ne comprends pas comment... Donald Germain. Est-ce que je peux... Le juge. La ferme. Je vous l'ai dit, je ne peux pas comprendre comment votre photographe personnel était là. Et dans votre propre procès aujourd'hui, vous avez déposé devant la cour des photos prises par un photographe. Je ne peux vraiment pas comprendre cela, à moins que... Il y a une seule explication, à moins que vous ayez eu l'intention de faire quelque chose et que vous ayez voulu que votre propre photographe prenne des photos des événements. Germain, je ne vous crois pas du tout. C'est fini. Je ne crois pas à vos témoins. Il a dit, je ne crois pas à vos témoins, je ne crois pas à vos photos. Et il a dit qu'il allait me mettre en exemple. Donc, il m'a imposé une amende de 250 $ et une année en liberté surveillée. So give me $250 fine and one year probation. Et le juge ne voulait rien croire de ce que je disais. Il a dit, vous êtes coupable. Oh, je me sentais. Je ne sais pas. Il fallait s'attendre à ce qui est arrivé. On savait que cela allait arriver. Je lui ai dit dès le commencement, c'est inutile d'aller en cour. Nous savions bien que les Indiens allaient perdre de toute façon. Tu vois, la police provinciale a amené son propre juge de quelque part au Québec. Et ils avaient leurs propres procureurs et leurs propres avocats. Et... c'était tout arrangé. Nous avons perdu une journée entière là-bas pour rien. Nous avons amené nos enfants avec nous. Nous sommes restés toute une journée en cour pour rien. Notre témoignage n'a duré que 5 minutes. Et après tous ces ennuis, le juge a fini par ne pas nous croire. Je n'avais pas le goût de parler pendant à peu près une heure. Je marchais en rond parce que je savais que j'avais raison. Je n'étais pas coupable. C'est pour ça que je vais en appel. Je sais que les autres gars n'étaient pas coupables. Ils ne faisaient que pécher. On ne faisait rien de mal, on ne faisait que pécher. J'espère qu'il y a un saumon là. Au moins un. Ce qui semble faire le plus de mal dans ces événements qui sont survenus le 11 juin, c'est que la province a détruit la confiance et la compréhension des communautés des alentours. A spirit of understanding in the surrounding communities. Juin 1982. Le ministre de la Pêche ouvre la pêche commerciale au saumon dans la province de Québec. Je n'avais pas le choix parce que les pêcheurs du Québec voyaient pêcher juste en face d'eux. Les pêcheurs commerciaux du Nouveau-Brunswick et... comme vous le dites, le saumon, en fait, on prenait c'était les pêcheurs du Nouveau-Brunswick qui prenaient le saumon. On n'a pas besoin d'une autorisation pour pêcher ou chasser. L'homme blanc pêche dans l'Atlantique et le Pacifique et il prend toutes sortes de poissons. Ils ont des bateaux-usines, ils les mettent en boîte et ils les vendent directement. Et le saumon, quand il vient vers nous et quand il arrive ici, il en reste très peu que nous pouvons pêcher.
On vit avec l'environnement. Nous ne sommes pas là pour détruire l'environnement. C'est ce que nous ont toujours enseigné nos pères et nos grands-pères. D'ailleurs, on a toujours dit que nous pouvions faire mieux que vous en ce qui concerne la protection de l'environnement. On s'en occupe depuis bien plus longtemps que vous. Nous, on connaît la terre. Si vous seriez indien, vous négocieriez-vous? Je pense que si j'étais indien, puis c'est dans ce sens-là que je me suis placé dans la négociation, à un moment donné, à la place d'un indien. Et je me suis dit, étant donné que le gouvernement du Québec laisse faire en ce qui concerne la chasse, en ce qui concerne la pêche, etc., c'est que je ne vois pas d'intérêt dans les circonstances, tant aussi longtemps que le gouvernement du Québec laissera faire, je ne vois pas d'intérêt pour les Indiens à négocier. Tu parles de Texas? C'est de la politique. Je veux dire, vous savez que beaucoup de politiciens se fient aux sondages et aux rumeurs. Mais moi, je pense que cela ne me dérange vraiment pas. Si je vois un blanc, ça ne me dérange pas. Si c'est un ami, il restera mon ami. Je pense que nous devons être fiers d'être indiens et aussi d'être des humains. Et j'ai encore plus de respect pour moi-même et pour les gens de cette réserve. For the people on this reserve. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire, que peut-être que, tu sais, à votre guise, là? Je voudrais simplement dire ceci. Il est certain que sur le plan personnel, les événements de Restigouche m'ont touché. Et si j'ai pu, comme Lucien Lessard, créer des problèmes à ces gens-là, je m'en excuse énormément. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à l'occasion du 23 juin, mais particulièrement lorsque je suis allé signer l'entente. Et j'ai aimé mon séjour à l'intérieur de la réserve. Ça va prendre deux générations avant que nos enfants oublient, parce qu'ils vont raconter à leurs enfants ce qui s'est passé ici. I'm very satisfied about the way the people rallied with us. Je suis très satisfaite de la manière dont les gens se sont ralliés autour de nous dans ces circonstances, et cela nous a rapprochés davantage. Nous nous sommes rendus compte qu'on a besoin des autres pour survivre, surtout de nos jours, alors que notre mode de vie est menacé. Our way of life is threatened. I was talking to some of the older people. J'en parlais avec les vieux. Ça prendrait toute une armée pour m'arracher de ma maison, la maison où je suis né et où j'aime vivre. Je ne bougerai pas d'un pouce. Il faudrait qu'ils me tuent. En août 1983, les condamnations et les sentences imposées par le juge Mercier à Donald Germain et Robert Barnaby furent cassées et annulées par le juge Louis Doiron de la Cour supérieure du Québec, qui a écrit dans son jugement « N'eût été des erreurs de droit ou de fait commises dans ce procès, il est impossible de dire si l'accusé aurait été trouvé coupable. Il y a certainement une possibilité qu'il eût été acquitté. Pour ces motifs, la Cour annule à toute fin que de droit la condamnation et la sentence prononcées contre l'accusé. »